Parce que, encore une fois, je décuse. Ouais, comment t'as tes rêveurs. Ça va, mon gars? Ouais, mon gars, t'as cru quoi? Ouais, pour votre pitié, je dis. Me faire faire la Ouais, non, mais là. Allez, c'est parti tout de suite. Attends, c'était un winner semi avant et là, c'est winner starter, je comprends rien. Mais t'as un problème. C'est pas dans le bon ordre. Est-ce que t'as un problème avec l'ordre des matchs? Ouais, bah, voilà. J'ai un problème. Bah voilà, donc calmez-vous. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Allez, c'est parti, on va commenter le match maintenant. Allez, Welp. Moi je suis pour Welp. Nerine neutral, you know. Parce que Falco c'est insupportable. Mais tu jouais Falco. Ouais bah c'est parce que. Frère. J'ai ouvert les yeux. Le traître. J'ai ouvert les yeux. Espèce de 20XX kid. Oh, ouais. Ou si Welp était revenu plus riche, ça aurait été compliqué pour lui. Le down air le smash. Ou le. Qui arrive quand même un peu à tech chase. Il fallait prendre la stock. Mais oui. Et Psylo qui fait le meilleur move de défensif de Falco, c'est-à-dire back air. Oh what. Fallait faire un fort. Il a sauté où là? Fallait faire un smash. Oui, tous les personnages de show sont insupportables quand ils sont tous supra bien joués. Mais oui, mais on est des rageux parce qu'on est des noobs en fait. Mais oui, je suis une grosse merde. Je me suis bouffé. Prenez pas ce qu'on dit au sérieux. Toujours, jamais. Oh, le EPR là qui permet. Ah non. Mais non, il a rien pu faire. Allez, Bakar, ça passe, prends la stock, let's go. C'est une bille qui était assez haut pour pas se prendre l'attaque. Et moi, je m'étais bouffé le Donkey Kong de Shane, je m'en suis parmi. Hein. Ah, mais. Il met ses backers sur le terrain, mais c'est un délire. Il prend vraiment la bonne distance à chaque fois, Psylo, pour pas se prendre les attaques encore une fois. La stock concédée. Il commence à prendre quelques lasers pour prendre déjà quelques dégâts. Et il a raté son saut, il aurait pu faire quelque chose après ça. Mais il s'y attendait pas, je pense. Psylo qui garde vraiment le centre. Dès qu'il l'a, il laisse vraiment pas Web revenir. Oh, il a peut-être sauté un peu trop haut là. Et là, encore une fois. Ah, il est remonté un stand. Il se permet de le tilt tout à l'heure au milieu pour empêcher Web de revenir. Voilà. Oh suicidaire, let's go, on en parle. Ah, il aurait peut-être pu wall jump, enfin je sais pas. Non, je pense que non, c'était trop tard, sinon il l'aurait fait. Oui, bon, c'est pas très grave. Hein. Mais voilà, ça c'est le beau jeu, c'est ce qu'on veut. Ça permet de revenir à l'égalité parfaite là. Clairement. Ah, il est vraiment Web prévenir. Je pense que c'est compliqué pour lui sur Yoshi d'attendre à ce point là, même si. Parce que la portée de Falcon elle est quand même insane sur son VPR. C'est le windmill quoi. Après ce qui est plutôt bien avec Yoshi c'est que quasiment tout est cool, si t'en fais un seul, ça couvre le terrain quoi. Donc il a bel et bien. Tu peux te permettre quoi, voilà. Il a bien esquivé le laser. Ouh, je pense qu'il. Ouais. Moi aussi je m'attendais à ce qu'il tombe sur la ledge. Oh il a attendu trop longtemps là. Soit il a attendu trop longtemps, soit il aurait dû attendre un tout petit peu plus longtemps pour que le shield. Pour qu'il puisse le choper à la fin de son shield, genre. Un petit tilt encore une fois. Backer. Nice backer. Nice backer. bad backer. Oh voilà. Je pense pas que ça va se toucher comme ça, mais. Ce père qui va peut-être permettre de finir la stock. Oh, 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 il vient de chercher sur Randall. Mec, Randall n'est pas ton ami, fais attention. Tout peut arriver sur Randall. Oh ce dare, ce voilà stomp, ce stomp. Mais il est parti si vite. Waouh. Eh c'était sexe là un peu hein. Mais même moins de 18 ans le stream Bakou hein. Là c'était ouf. Poulou. C'est le Falcon Heavy mec. Let's go Will. C'était tellement inattendu. C'était si long. Ah là là. Fontaine of Cauchemar. J'adore Fontaine mec. Fontaine et Cauchemar. Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu ton match sur ça? Non. Ah Mito. Non mais c'est comme ça qu'il se l'appelle et il me fait beaucoup rire avec ça. Fontaine et Cauchemar. Il est si rapide à aller chercher. Oulala. Oh oulala. Il a glissé. Ah, ça va être facile. Oh, il arrive à passer derrière. Malheureusement, ça enchaîne du coup sur un combo. Ah là là. Et... oh, oh là là. Joli. Le bomb soldier. Bomb soldier. Ouais, c'est bomb soldier qui a fait. Oula. Encore là. Mais ce. Side B, chop.
Dance Row Stomp, mais c'est si confirmé. Mais Welp qui le Welp combo. En fait Welp, il a même pas besoin de take chase, il est trop intelligent en fait. Oh. Allez, c'est la stock. On peut pas revenir de ça. Trop compliqué. Welp il peut le faire, je crois en lui. C'est parti. Il commence à jouer défensif, là il profite des plateformes qui sont assez bien placées pour lui. Oh, il le chope directement sur son petit pied. Le tilt de Falco, il est quand même sacrément nonchalant, genre il est un peu en mode ah ouais t'es là, bon bah je te fous un petit coup. Falco c'est l'élite, c'est les comtes et les vicomtes et les duchesses. Oh oui, moi aussi je m'y attendais, j'aurais aimé faire un Falcon Punch pour croquer, mais... T'aimes bien croquer la roll in, ouais mais moi je suis... Je suis le pire fox du monde. Je suis genre de mec, à chaque fois que je vois que Falco il va essayer de side B, je vais essayer de shine en même temps pour le... Juste pour disrespect, c'est ça. Ouf. Et du coup là souvent je me fais démonter. Tu sais ce que ça fait derrière. Et ouais, ça, c'est ça contre ça, juste le ça coup. Météore. Ça fait rien d'autre. Non mais par contre tu peux choper, si tu le touches au même moment qu'il fait avec le shine, ça va pas le shine, ça va juste si, arrêter. Si ça peut le shine. Je crois que ça avait juste. C'est pour, ça que ça, de c'est pour ça que c'est encore plus beau. Ça ne rend le coup que meilleur. Oh, oh ça touche sur le bout. Il a pas fait attention à la dash. À la. Et tape attaque. Et ça va, ça va. C'est parfait. Ah bah. Ouais, mais toi t'es fort, moi je suis mauvais. Oh non. Long live the king. Et alors, c'est là qu'on retrouve le singe. Ah, au moins une fois en plus de 10 minutes de jeu quand même, minimum. Allez. Ça repart sur des stomps. Je tombe. Non. Il revient sur le terrain. Ah, il pensait que Psylo allait sauter plus tard, je pense. Et c'est pour ça qu'il a tenté le nid. Lui, c'est dur à faire. Psylo commence à faire une bonne DI sur ses throws, il peut plus forcément connecter. Oh le nid. Nice. Ah là, off stage ça va être compliqué. Oh bon. calmez-vous. Là il a croqué. il a pas pris un croc là mec, il a pris le game entier. Hein. Ah, il était à 3%, là même le backer. Ça passe, tout passe. Et Psylo qui s'est ressaisi durant cette qui, game et sécurise sa première game. Est-ce que c'est parce qu'il est plus intelligent ou c'est parce qu'il a moins singé mais cela ne nous regarde pas. Welk qui SD mais bon cela ne nous regarde pas. Ah et ils ont refait un check. Et on repart Dreamland. Sur Dreamland. Dernière game. Sur Dreamland ça peut être pas mal sur Captain Falcon puisqu'il a une grande vitesse mais en même temps Falco il peut jouer encore plus défensif. Oui. Laser. Contrôle voilà, de la c'est ce qu'il commence à faire. Il joue très très défensif là avec les lasers. Allez, take chase, c'est petit pas. Ah mais là il arrive pas à le grab. Il joue vraiment beaucoup trop loin Psylo. Parce que là il a Psylo, pas il est pas... vraiment beaucoup trop loin là. François. Oh non. T'inquiète, c'est juste disloqué, c'est pas très très grave. Ouais. Ouais mais il a pété ses lunettes débile. T'inquiète, c'est sur Wish t'en as 50 pour 3€ donc j'ai un stock défensif, de 20 chez moi. Il commence à enchaîner les backers et il va pas le laisser remonter. Ah Web qui manque sa take. Ouais. Là, il aurait pu revenir. Oh là, là il croque. Il croque d'où. Oh là. Croquinou, Cro-Magnon. Il aurait pu take sur le mur quand il a down smash. Et voilà, c'est réparé. Easy. Ouais. On peut pas être au top tous les jours. Et la Psylo qui profite vraiment de la place qu'il a pour jouer défensif. Ça, c'est bien fait. Mais oui, mais... Mais Koros, je lui ai dit en début de match de tech chase. Il voulait pas. Il a fait son PTSD. Qu'est-ce que je fais? Il take pite. Oh, on a eu un lag mais joli. Voilà, c'est ça. Joli ce nid.
Ça a rendu le coup plus puissant. C'est, ça l'a chargé pendant le chargement. Ah, trop de skills, on pouvait pas tout afficher à l'écran. Ok, là Shine, ça commence en combo. Voilà, encore une fois qu'il chope le B. Ce petit nid en l'air pour montrer ses pectoraux. Ah, et là, il recommence à jouer défensif avec les lasers. Ce qui est vraiment une bonne idée en vrai. Je pense que c'est ce qu'il a mieux à faire. C'est ce qu'il faut faire. Et là, à 0%, voilà, un petit backer et c'est déjà fini pour Welp. Oh, il arrive à revenir. Et le backer qui. Bonne DI qui permet de survivre encore, mais là. Oh, il avait bien stunt. Je pense que Psylo s'attendait à un down B, c'est pour ça qu'il a pas été. Oh, voilà, Shine backer. Chips. Waouh. Oui, il est de retour à la maternelle, il y a un problème. Down smash. Allez, la re-shot. Il fait beaucoup de down smash en plein neutral, Psylo, pour. Bah, ça passe. Hein. Quand Welp commence à être un peu trop envahissant. Et là, le. Ah, il a pas pu d'air parce que Welp il a bien dit IOA. Ce qui l'a empêché de continuer de combo. Oh la vache. Ah oui, et le forward tilt qui lui permet de gagner là. T'as vraiment raison hein, depuis tout à l'heure. Quand t'as dit, ouais, il a une petite flegme, tu vois, ouais. Genre en mode, ah, mais il est nonchalant. Bah là, son. Et oui, tu vois, il est méchant. Il est méprisant. Il est méprisant. Méprisant.